misano azamo konza masano nyoso argent, tous les jeux qu'on joue là, les gens foutent. C'est un démon, hein? Quand vous jouez ces choses-là, ceux qui jouent, je vois des joueurs aiment ça aussi. Les paris foot là, tous ces jeux-là, dans le monde spirituel, c'est leur patron, c'est Asmodée. Que tu sois femme, que tu sois homme, tout ce qui est jeu de hasard, jeu de finances, foot, musique ou tout ça, où il y a un intérêt matériel et financier. Tout j'ai. C'est, ça vient des Asmodées. Il contrôle. Il est le démon de la luxure. L'amour de la luxure. Par exemple, je suis dans un niveau, je peux acheter une montre de 10 000 ou de 100 000, ça c'est pas un problème. Mais ça dit, vous constaterez que les jeunes filles dans le monde, tout le monde veut l'argent. S'habiller, luxe. Avoir des sacs, luxe. Avoir tout ce qui est luxe. Commence à devenir luxier. S'il ne trouve pas, et ça entre avec la cupidité. Donc l'habillement, le montre, le tout ça, tout ce qui est luxure, des belles voitures, des jeunes filles aujourd'hui, des belles voitures, des belles écoles, c'est pas mauvais. Mais c'est un démon de luxure. C'est Asmodée qui est le patron. Mettez-vous. Mettez-vous. C'est lui qui a créé la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, l'artisanat. Donc la géométrie, l'arithmétique, tu vois ce qu'on appelle l'interprétation, c'est là où ça devient difficile. Quand tu ne sais pas étudier ces choses au niveau de la science. Voilà, donc tout ce qui est calcul, arithmétique, géométrie, astronomie, ceux qui calculent les étoiles, qui calculent le main, c'est ces démons-là. L'intelligence de calcul, l'astronomie qui calcule les étoiles, qui calcule les astres, qui ont vu l'étoile de Jésus. C'est dans l'astronomie ça. Ces gens-là, les mages, ce sont des gens qui sont dans la logique des Asmodées, ces dieux-là. C'est un démon très géant qui a pris le monde entier. Toutes les maisons de G, c'est lui qui contrôle. Il peut rendre même les gens invisibles. C'est-à-dire, tu n'es plus intelligent même. Tu peux prendre tout ton salaire, tu peux abîmer ça. Les casinos, même si vous regardez aux États-Unis, chaque hôtel il y a des casinos, chaque coin il y a des casinos. Même dans les aéroports, il y a des casinos. Quelqu'un peut entrer à minuit, il sort 10 heures. Il termine tout l'argent. C'est ça le démon d'Asmodée. Tu vois. Il te fait montrer les trésors cachés. Il te montre que là, il y a l'argent ici. Et il faut jouer pour avoir cet argent. Et tu deviens accro. C'est un démon destructeur.
Il détruit l'argent, il détruit la santé, il détruit le tout. Il t'amène dans l'ivresse. Il t'amène dans des drogues. Il t'amène dans des démons tels que des choses que tu es en train de s'accrocher. Tu deviens indépendant, tu deviens dépendant. Sans cela, tu ne peux pas fonctionner. Il crée les erreurs dans la tête des gens. Donc tu fais des choses, mais il te crée des erreurs qui peuvent te coûter trop cher. Tu peux faire un rapport à ton chef, mais tu abîmes avec une erreur qui peut détruire toute une nation. Il te met en distraction en écrivant des lettres ou en parlant. Tu commets des erreurs en parlant. Il est le patron de la dissipation, c'est-à-dire il va te faire terminer l'argent par des petites choses. Dès que tu as l'argent, le désir vient, il commence à dissiper. Dissiper, ça dit faire perdre l'argent, monsieur. Il te fait terminer l'argent facilement comme ça. Et il te donne aussi l'amour de l'argent. Parce que tu vas encore chercher. Et c'est ça que tu vois les filles dans la prostitution. Il sait qu'il sort avec telle personne. Et il sait qu'il me donne aujourd'hui, demain je vais encore chercher. Là déjà, la Asmodée t'a déjà eu. Tu vois? Donc, la destruction, il t'amène à la destruction. Le démon d'Asmodée, je vais développer ça encore la semaine prochaine. C'est un démon de la perversion sexuelle. Perversion. Un pervers. C'est-à-dire, des gens, ils regardent dans des trous, ils regardent des nudités des femmes, ils regardent des hommes. Donc, tu peux faire n'importe quoi avec des femmes. Tu peux jouer avec le corps d'un homme ou le corps d'une femme. Donc, des jeunes filles actuelles, si tu vois comment les choses qu'ils font, tu peux t'étonner. La perversion, ça dit tu deviens pervers. Tu peux faire des choses en plein air comme ça, tu peux pas imaginer. L'habillement, c'est un démon très géant. Donc il est dans des maisons de jet, il est dans des maisons de luxure, il est dans des choses, il peut te créer la luxure d'aimer des belles choses. Et ça devient, tu deviens accro. Tu ne peux pas laisser ça. Tu dois être là tout le temps. C'est pourquoi il y a des hommes et des femmes qui sont là chaque jour dans des casinos. Ils sont là quand il y a match entre telle équipe et telle équipe. Ils sont là dans des papiers. Il y a Là où il y a le jeu, il est là. Il peut commencer les dames du matin jusqu'au soir. Il peut commencer le jeu au téléphone jusqu'au soir. Donc le chef de tous ces jeux là, de dessins animés, de toutes ces choses là, c'est Asmodée. T'es un géant. Il peut te prendre, il te rend accro à quelque chose. Tout ce qui est accro. Non, accro, c'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas laisser. Et quand quelqu'un devient accro, il s'attache pour toujours. S'il est accro au sexe, il est là tous les jours, il doit le faire. S'il est accro à l'argent, il doit chercher l'argent chaque jour. S'il est accro à... Donc, s'il manque, il peut mourir. S'il vous plaît, quand vous tenez les choses spirituelles, soyez lucide. Soyez lucide, c'est très important. Donc, démon. Et on a Jésus qui est mobile.
Être vraiment très concentré. Parce que ces démons-là sont en train de déstabiliser le monde. Parce que c'est, il t'amène dans la luxure, il t'amène dans la perfection, il t'amène dans beaucoup de choses.
Quand tu n'as pas l'argent, tu aimes ces choses-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher des hommes d'argent et tu vas tomber dans l'impudicité. Il te fait faire des perverses, des choses perverses. Et c'est comme ça que les choses marchent. Il faut faire attention. Quand on commence à aimer l'argent, on commence à aimer les choses, il n'y en a pas, tu es obligé de faire la prostitution. La prostitution, c'est même pas dans le bar. Même les jeunes garçons qui en vivent, ils deviennent donner leur corps à d'autres hommes à cause de la luxure. Et tu deviens pervers. On commence à coucher avec toi. Là, on ne peut pas sortir avec toi. Même des pasteurs d'aujourd'hui, ils commencent à faire ça pour leurs femmes. Et ils commencent à changer les corps, la vie, les seins et tout ça. Donc c'est pourquoi le monde entier est aujourd'hui à la quête de ces choses. Et la jeunesse et les papas et tout le monde, quand ils voient que oui, moi j'ai l'argent, la jeune fille là n'a pas l'argent, et ils te manipulent maintenant. Et tu deviens pervers et les démons entrent. C'est pourquoi les gens vendent les démons, par exemple, de masque blanc. Non, masque blanc, c'est pas ça. Là, tu es en train de parler des masques de vieillesse. Nous sommes en train de parler. Fais attention, tu parles avec un grand homme. Vous avez un amen, Aza? Donc, fais attention quand tu m'interprètes. Je suis un homme de grande connaissance. Donc, il faut aller doucement. Donc, fais attention, n'enviez pas. Soyez normal, soyez naturel. J'ai fait combien d'années pour être ce que je suis aujourd'hui? Où je porte cette montre ici là, de payer une montre de 60 000. Ça dit, j'ai fait combien? 43 ans dans le ministère, 46 ans que je vais porter ça aujourd'hui. Ça prend du temps. J'ai payé le prix. Ça prend du temps. Tu vois le prophète d'Élie, tu veux s'habiller comme moi, tu veux porter ce que je porte. Non. Tu n'as pas encore payé le prix de ça. Tu n'as pas eu de temps de sacrifier avec Dieu. Prends ton temps. Ne sois pas pressé. N'enviez pas. Ne compare pas. Tu sais pas ce qu'il a fait. Il sort avec qui? Il fait quel sacrifice? Tu ne connais pas. Et c'est quand tu es dans l'envie, Asmodée vient te chercher. Abadé Obetsayo, j'ai un poun là. Momoni ba tikiyo au gagné penda. Au beti Paris foot penda au gagné. Au zu penda 100 000, 200 000, 400 000. Au beti malami baleine 1 000, 1 million. Au beti malamoussa de 2 millions. Allez, babane au liayo siko. Ola la soute. Ola la soute. Au zu kamo logo ke. Babane au liayo. Babane au liayo. Ti. Ogomo calculer na ba poun là, ba calculer te. Na ina beau frère na ramo ba da obeta ba jiwana. Comme un médecin, on va nous calculer ma colère, ma ou ya bampoula par rapport à la médecine. Naïe, oui, c'est la papa, obé, sa moto, au koufa, pam, au koufa. Bamsou, ma côté la montine église, si ma prophétie, en gros, ma coutane va passer à ce monde. Oh, ben, à côté, les papa yara, dans l'action balo, au gagné, foot autant, au foot, aux uté. Maman peut vous swapper pour aller aux ongles à Manu Lia et Openda bien. Donc, bien aimé, il est le démon de G. Tu dois être accro à ces choses. Intelligence, arithmétique, l'astronomie, l'artisanat, où on est en train de créer des histoires. C'est pourquoi tu vois beaucoup de ONG, beaucoup de choses sont en train d'engager des jeunes filles, des jeunes garçons pour travailler dans l'artisanat. Et ces choses-là, ces gens-là, souvent, ils sont des gens qui sont ancrés dans la
la science occulte est dominée par le démon de Asmodée. Et tu verras, tu es en train de se détruire peu à peu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, une jeune fille sans make-up, ça ne va pas. Une jeune fille sans cheveux, ça ne va pas. Donc tous les cheveux des Indiens et tous les cheveux des Brésiliens, ils sont partout. Si tu vas au Facebook, tu vas les voir. Voici la nouveauté. Et toutes les jeunes filles et les mamans aussi sont entrées dans cette guerre-là. Tu vois, dans l'église, après qu'il était dimanche, au moins la maman, moi aussi, ma moutoua, au sombi, au wapi, au ebimi déjà, ils n'avaient pas un maman tel. Ils ont appris à qui. Aux ambali, à Zora salaire à 100 dollars. Si vous avez un salaire à 150 dollars, 200, 300, vous avez un salaire à 150. Aux a obligé, aux a la rana à recherche, au monde de Luca, et c'est quoi au Koya. Ok, mais au Koya, il y a un tatou. Tatou peut mounoro pour l'élé. Aga au zélo la porte en d'accord. Naebi saki oya kawate. Zela nga kuna nga mona roya. Omo yo reso ne poigne. Aussi l'ici va suki nyon son bon on a eu lé. Omo bata mana coin poigne. Naebi sako goya kawate. Par omo na yo. Sko na komi mobali ya kubatama. Mon on a eu zio semi mèche. Bon, on a eu ma rouge à lèvres. Bon, on a eu ma bilogo yozana, on a matériel yozana. Mais l'icolère matériel, on a eu ma. Tu vas vendre ton âme. Et c'est pourquoi tu vois les actuelles filles, mères trop jeunes. Il y a trop de cancers dans les jeunes. Il y a trop de maladies inexpliquées, des kystes dans le corps des jeunes filles. C'est dû peut-être aux habits, c'est dû peut-être à certaines choses matérielles. Où tu as pris l'argent de quelqu'un de fou. Et cet argent-là, il réclame une partie de ton corps. Quand on va t'opérer, les sangs coulent. Donc, les sangs coulent et ils sont contents de boire ces sangs-là. Tu as la grossesse, tu es obligé d'avoir peur aux parents, il faut enlever. En enlevant, le sang est en train de couler. Lui, il est content. Que l'élo, c'est la vie, c'est un homme ou une femme. Quand vous tuez l'ovile, c'est une personne qui est partie. Dans le monde éternel, c'est-à-dire quelqu'un. Tu acceptes l'argent de n'importe qui. Tu acceptes des invitations de n'importe qui. Jeune garçon, jeune fille. Tu ne connais pas qui tu as affaire, avec qui tu sors, qui te touche, qui ne te touche pas, qui te fait des cadeaux de chocolat. On peut acheter ta vie à partir de ça. Biscuit seulement, tu es parti. Une bouteille d'eau seulement, tu es parti. Une bouteille de jus seulement, tu es parti. Une jupe seulement, tu es parti. La robe là, tu es parti. Le pagne là, tu es parti. Avec des petits jets que tu fais là. Même des grandes femmes en train de jouer des jets. Et ils attirent les gens dans des casinos, dans des boîtes de nuit, dans toutes ces places là. Et c'est pourquoi tu vois beaucoup dans des boîtes de nuit maintenant, les filles entrent gratuitement. Pourquoi? Parce que tu vas vendre là-bas. Et tu vas vendre. Et quand tu vas vendre quoi? Un homme qui t'appelle, tu le pousses à acheter le whisky. Tu le pousses à acheter ça. L'argent des souffrances. Tu ne sais pas ce qu'il a eu pour avoir cet argent. Tu distribues des bises comme ça. Oh, Kabolani, une bise, Kabolani. Nini. Merci. Zamba Pambola, Oye Babé, Okota Makas, une interprétation. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Quelqu'un, tu salues, tu connais. On peut prendre ton corps à partir de la salutation, à partir des salives, à partir seulement de quelqu'un te touche.
Ne laisse pas quelqu'un toucher ton corps comme ça. De toucher ta tête comme ça. De toucher ton ventre comme ça. De toucher ton corps. Tu ne peux pas laisser quelqu'un inconnu toucher ton corps. Et ça, c'est démon de Asmodée qui peut te faire tout ça. Dans la semaine prochaine, on va expliquer tous ces démons. On va donner des références bibliques pour que tu puisses arriver à comprendre tous ces démons-là. C'est vérifiable partout dans les dictionnaires, partout, c'est terrible. C'est pas, parce que ce sont des enseignements qui ont été déjà donnés pendant des années. Mais vous, le problème, c'est de comprendre quel fonctionnement de ces démons-là. Des maladies que vous voyez aujourd'hui là, c'est venu à partir de ça. Si l'Asmodée peut contrôler la guerre, au monde en anda kubitume bandi 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 moutoute ma coloté, les gens se chamaillent moutoute ma coloté, on ne peut pas contrôler ça. Il est aussi le roi des guerres. Il crée des guerres dans des nations. Il crée des guerres dans des nations. Telle et telle personne ne se salue pas. Telle et telle ne se salue pas. Même maison, ils ne se parlent pas. C'est la guerre. C'est Asmodée qui gère ça. Il te donne le cœur de la guerre. De la guerre, dans la guerre, il y a des nervosités, il y a beaucoup de choses. Non, en bref, c'est un démon destructeur. En résumé, qui est Asmodée? C'est un démon du jeu. Tout le jeu du monde, c'est lui qui contrôle. Toutes les maisons de jeu, c'est lui qui. Pour faire quoi? Pour détruire tes finances. Il détruit tes finances, il détruit ta vie, il t'amène dans la dépression parce que il y aura, quand tu vas croiser la perversion sexuelle, quand tu vas entrer dans la luxure, quand il te crée des erreurs, il te met la dissipation. Dissipation veut dire qu'au bepsa biloko. Bon. Ok? Tiens-toi debout. Belphégor a aussi la débauche. Lui aussi, on va voir le point commun de beaucoup de démons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde satanique. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés. C'est pourquoi le jour où Delila est venu devant Samson, les mêmes jours qu'ils se sont accouplés, les princes des Philistins sont venus dans le livre des Juges. Où sont mes Bibles? Vous allez voir ça dans le livre des Juges. Donc, pendant que Samson, il est en train d'accueillir, on voit directement les princes qui sont venus donner l'argent à ces gens-là. Pourquoi? Parce que ils doivent contrôler la force de Samson. Et c'est comme ça. Ils ont dit, nous proposons autant d'argent pour que vous puissiez détruire Samson. Derrière cette femme, il y avait des esprits. Pardon? Derrière Samson,
Derrière Delila, il y avait des esprits. C'est-à-dire le prince. Tout l'argent du pays était là. Je ne sais pas qui t'a aimé là. Les mondes de tes bains réclament quoi? En toi. S'il n'est pas normal, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière cette femme-là ou cet homme-là. Qu'est-ce qu'il cherche dans ton corps? Et c'est comme ça qu'ils ont cherché la force de Samson. Le monde du ténèbre cherche ta force pour t'écraser. Et il utilisera des hommes et des astuces pour t'avoir. Et c'est comme ça que Samson a livré son corps à cette femme-là. Ma force, c'est les cheveux. Et c'est comme ça qu'on l'a rasé. Il a crié. On l'a arrêté. Parce que la force est partie. L'alliance est tombée. Même si ça reviendra. Mais c'est déjà tombé. On t'a arrêté. On l'a troué les yeux. On l'a amené en prison. C'est ça la prison satanique. L'objectif des démons, c'est pour que tu sois attiré par les appâts. Enlève les pieds sur la chair. Tika lolé nous est colonie. Bon mon gars là ça lolé nous quoi mulu ba. Vanda bien à quitter. Acceptez les colonnes chères. Non t'es abonné au chat les colonnes chères. T'es beau et t'es bilo voilà. Donc bref, quand ils trouvent le trou, ils viennent et te fait asseoir. On t'attire vers eux et on te domine et on t'emprisonne. C'est pourquoi il y a des choses pour s'en sortir, ça devient difficile. Ou la mort, ou tu crées les dégâts. Samson est mort. Malgré qu'il a tué 3000 personnes, il est mort. Ça dit, il y a des choses que tu ne récupéreras plus. Il n'a plus vu. Il n'a plus récupéré les yeux. Il y a des choses, quand le diable fait des dégâts dans ton corps, il y a des choses que tu ne vas plus récupérer. Samson a reçu les cheveux, mais Samson n'a pas reçu les yeux. Il y a des choses qu'il a vécues dans la prison, les humiliations qu'il a reçues, il ne va plus récupérer ça. Il y a des gifles qu'on lui a fait. Où est ta force maintenant? Il ne peut pas se battre parce qu'il n'a plus de force. Sans Jésus, tu n'as plus de force. Sans la parole, tu n'as plus de force. C'est pourquoi chaque fois un enfant de Dieu s'écarte de la parole. Quel que soit ton nom, quelle que soit la grandeur de ton nom, tu te raffines. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont allés dans des sciences. Ils commencent à faire ces bêtises là à l'église. Il y a des pasteurs dans leur maison qui ont fait des tambres où la femme vient. Il met la musique. Il change des sous-vêtements. Il fait des défilés de mode. Il fait l'expertise à la maison. J'ai vu un grand pasteur qui m'a appelé dans un endroit où c'est comme une boîte de nuit. À Kassaboubou, là, à un certain moment, ça fait 10 ans ou 7 ans. Il a loué tout ça. Un grand pasteur, un grand bishop. Je l'ai vu avec un pasteur que je ne peux pas citer, de lui mettre ici. 30 filles. Avec des mini-jupes. Des champagnes étaient là. Il me dit, Denis, petit frère, prends celle que tu veux. Va. Prends le champagne, bois. Fais ce que tu veux ici, là. La MCV. Attends la salle à Massoumango ou à niveau haute. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
wana encadrement moko za encadrement kande o mona ba ba clipes en États-Unis wa bozo ba ziko finga de lesiao yo moko grand grand peter ya haut niveau siko ba to boye na tonga ye Jesus ah siko yo azalia amela de azola 10 cartons de champagne wana no mbongo tu offrande ke ensemble dis-moi amen. Et ça, c'est pourquoi l'église aujourd'hui ne fonctionne plus. L'église est morte. Et vous allez voir des morts et des morts et des morts. Vous allez voir, même le ministère profane, trop de fétiches. Vous allez voir des morts et des morts et des morts. J'avais annoncé aux gens de théâtre. Vous verrez des morts et des morts et des morts. Et vous avez vu des morts et ce n'est pas limité. À la politique, les gens qui négligent aussi, qui sont dans le fétiche pour hamburger le pays. Vous allez voir des morts et des morts et des morts. Vous serez étonné de voir des choses que Dieu va faire parce que vous avez prévenu en 2024. Ici, dans ce podium, que 2024 veut dire 2 plus 4, ça fait 8. 8 veut dire double épreuve. C'est-à-dire vous allez traverser des moments très difficiles cette année. La crise financière, je vous avais dit ça. Les enfants de l'arche, si vous mourrez, c'est normal parce que vous avez écouté et vous n'avez pas respecté. Si tu n'as pas le vrai Dieu, il va vous finir. Celui qui aura le vrai Dieu aura le moyen de manger et boire. Je vous ai dit ça ici. Et j'ai prophétisé ça ici. Et j'ai dit des choses ici. Vous ne soyez pas étonnés quand les choses arrivent, vous êtes en train de s'étonner. Je vous ai annoncé la maladie. La maladie là, corona, ici. J'ai prophétisé le corona ici. J'ai dit une maladie viendra où il y aura beaucoup de morts. Je suis parti à la RTNC. J'ai fait 3 émissions à RTNC. Je suis parti avec lui au Bandundu. Quand on est parti au Bandundu, ça nous a rattrapé là-bas. Mais j'avais prophétisé ça. Les enfants de l'arche, si vous êtes incrédules, c'est parce que vous êtes incrédules. Parce que vous êtes des incrédules. L'incrédulité, c'est le refus volontaire de croire. Alléluia. J'ai reçu aujourd'hui plus de 15 appels des ministres et des grandes autorités de ce pays. Denis, pardonne-nous. On ne croit pas en toi. Parce que tes frères nous détruisent, t'es détruit. Mais aujourd'hui, nous avons compris que tu es le vrai prophète. Je vous avais dit un jour, Congo comprendra ça. Et le monde entier comprendra ça. Et vous verrez, je vous avais dit, je ne vous ai pas demandé même beaucoup de temps. J'ai dit, attendez, laissez le temps au temps. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Et Dieu, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui rassure. Il y a des gens qui ne peuvent jamais m'appeler. Mais ils commencent à m'inviter. Il y a une autorité qui m'a dit, demain viens chez moi, passe du temps avec moi. Je lui ai dit, je n'ai pas assez du temps. Il me dit, s'il te plaît, même une heure, je vais te bénir. J'ai vu, les jours où j'étais parti chez une autorité qui m'avait invité au Kin. J'ai croisé des ministres. Un m'a appelé, alors, il y a un hôtel là en ville là qui m'a invité. Je suis parti. Il m'a béni. Il y avait tous ces acolytes là-bas. Il m'a dit, j'ai jamais vu un prophète comme toi. Combattu, mais tu es toujours là. Mais pourquoi ce que tu dis s'accomplit? Je n'ai pas le temps de discuter, de me justifier. Laisse Dieu, même si tu fais les choses que les gens n'acceptent pas. J'avais un principe qu'on m'avait donné. Même si je fais une émission qui n'est pas chrétienne, déposez toujours un écran prophétique. Déposez. Un jour, ça payera. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit. Et je continue. Moi, quand vous parlez, vous criez, moi, je m'en fous. Moi, je n'écoute que Dieu. Sans toi, je peux fonctionner. Sans Dieu, je ne fonctionne pas. Malgré mes faiblesses, je reste toujours attaché à ce Dieu-là. Ce qui me dit, je l'annonce. Même au temps où il y avait des problèmes de musique là, j'étais toujours à l'église ici. Là.
Dieu sait que je ne l'ai pas abandonné. Dieu sait que je suis là. Et Dieu sait que je ne l'ai pas offensé. Parce que j'étais en mission. Et dans ma mission, j'étais toujours à l'église. Et quand je partais en Europe, Dieu me dit, change le message. J'arrive en Europe. Je fais la campagne, je vois tous les pasteurs ont fui. J'ai compris que tous les pasteurs ont fui parce qu'ils se sont partis. Ils sont partis dans les ténèbres. Et j'ai compris, Dieu m'a dit, voilà les gens que tu croyais. Quand tu avais connu ces gens, ils étaient bien. Mais après toi, 13 ans après, ils sont abîmés. À qui n'ici là? Je fréquentais tous les grands pasteurs. Ceux qui m'ont sollicité pour faire du fétiche. Ceux qui m'ont sollicité pour entrer dans telle, telle chose. Mais si moi je n'entre pas, quand tu m'as proposé, je te connais maintenant, non? Je sais que tu es sorcier. Et tu crois que ce que j'ai dit au hasard. Mais vous allez payer le prix. Il y a des émissions suivantes que je vais faire. Je vais vous montrer tous les grands pasteurs qui ont perdu des enfants ou des femmes. Et tous ces gens-là sont amis. Je vais vous montrer les images et leurs femmes mourir en Afrique. Et ici au Congo. Je vais vous démontrer les liaisons sataniques qui sont en train de tourner entre Rwanda, Congo et tout ça. Même ici dans nos églises, il y a des infiltrés du Rwanda, des Burundi, de partout. Qui sont les espions congolais. Mais nous les avons découverts. Et ils sont en train de finir un par un. Vous allez le voir. Tu sais, dans le monde spirituel, le diable a compris que le Congo a des potentialités. C'est le pays le plus puissant du monde. Le pays le plus riche du monde. Nous avons tout ici au Congo. C'est pourquoi la guerre que vous voyez là, ce n'est pas la guerre parce qu'on a fait des choses. C'est la guerre pour nos richesses. On a utilisé Kagame et tous ces pays frontaliers pour nous voler. La guerre là finira. Le président rwandais finira. On va l'humilier dans le monde, tu ne peux pas imaginer. Non, non, le monde, on va l'humilier. Les gens qui l'ont utilisé, les gens qui ont mis Lazare dans la tombe, ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir. C'est le principe de la grandeur. On a utilisé Mobutu, il est où? On l'a abandonné. Tu crois que toi, là, au Rwanda, on va te laisser? Ce sont des gens de prédateurs. Et quand ils mangent le sang, ils mangent les choses, ils mangent, après ils vont te vomir. Parce que tu connais trop. Pourquoi ils ne prennent pas Goma? Ils sont déjà à Goma. Pourquoi ils ne prennent pas Goma? Ils sont à Goma. Même Nangala avec son équipe, ils sont déjà là. Il y a des rebelles qui circulent déjà à Goma. Mais pourquoi ils ne prennent pas Goma? Il y a des secrets d'État du monde. Toucher ça, mais ne touche pas ça. Bien-aimé, dans le monde spirituel, si tu n'as pas les yeux, tu es un humain. Tu sais pourquoi les gens ont peur de moi? Les pasteurs ont utilisé la méthode d'abîmer ma réputation. Devant les autorités, mais vous pouvez enterrer Jésus. Il va être ressuscité. Tu peux m'enterrer, tu peux faire oublier de l'île. Le jour viendra. Le jour viendra où les gens, c'est Dieu lui-même qui va me lever encore. Mais aujourd'hui, les gens commencent à croire. Pourquoi? Ils croient parce qu'ils voient des choses. Ils voient la continuité des choses. Et ils ont raté. Hein? Il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Après, ils justifient. Oh, les 20 n'existent pas. Dans le monde spirituel, le 20 n'existe pas dans le calendrier. Oui. C'est quel le 20? C'est le mois. Attends, je vais revenir sur le calendrier. Je vais commencer à vous prêcher sur le calendrier. Parce que j'avais commencé ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne sais pas comment cet enseignement s'est coupé. J'ai commencé par le mois. C'est plutôt le mois de janvier qui n'existait pas. Et je vais vous démontrer ça dans le spirituel. Qu'est-ce que signifie ça? Oh, le 20 n'existe pas.
Le 20 n'existe pas. Quel le 20? Le 20 décembre. Prouvez-nous que le 20 n'existe pas. Et des prophètes vous parlent à la télé comme ça et vous croyez. Maintenant, je vais accepter des débats. On va parler. Je vais accepter des débats. Tu sais, dans le monde spirituel, quelqu'un peut commencer à préparer les gens. Il va préparer les gens dans des prédications. Parce que Belphégor est entré à l'église. Le diable a pris les pasteurs et les prophètes. Il leur a donné la richesse et l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan humilie toujours ces gens. Quand tu fais tes cérémonies, il est obligé que tu mettes ces choses. Et quand tu mets ces choses, les gens qui sont éclairés savent que ça, c'est pas Dieu. Et quand ces gens-là, tu deviens énervé. Tu sais, le Congo vit dans l'impressionnisme. Parce que pasteur là, il a l'avion. Qui a l'avion? Fali même a dit, personne n'a l'avion en Afrique. Quel est le ministre qui a l'avion? Quel est le pasteur qui a l'avion? Ils nous mentaient ici, il y a des pasteurs du Congo ici qui nous ont menté, ils avaient des avions. L'autre avait caché l'avion à Libreville. Si l'autre monde a avion, bah y a un torture à Bissot. Nan avion nangai, monsieur est à Gabon, monsieur est ici exact. Tout le monde a payé à Watte, immatriculation avion mon gars, tout le monde a bango gaga na Air France, na Turkish, qui nan nan. Nan on a son avion. Le kouta nan mon gars va passer le gros ni maté. Et ça c'est un démon. Ce que ceux qui balingba lia mutu, toi linga créer le romombo, toi linga koufa, toi linga koufisa, il prépare l'opinion. Ah gaga. Gaga moi nananga un jour la lingopé de gagaté. Ah gaga moi nanga la ropé de onde nini. Banani ba péda gabouye. Ah gaga nanga e gaga nanga e. Ba tu disais ba zo préparé déjà. Gaga nanga bandeko gaga nanga e. Gaga gaga. Muko gaga okufa ba tu ba nini. Ah zago ye ba lo ba kiango. Alobite. Tu es en train de préparer les gens dans le monde pandémonium. Tu es en train de préparer l'opinion. Parce que cette opinion-là, il est dans le monde du ténèbre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tout le temps, on va dire, ah, Moutou Ananzambe à solo. Vous avez bien amené à ça? Vous avez bien amené à ça? Comme batoaza flou, moi ba mona exacte. Mets-toi debout. Ozi mouli ma ondeni. Parce que place à nous rosa mouli monte. Comment y'a rosa mouli monte? Na yopi osa démon. Et trois quarts ba congolais baza habité par le monde. Parce que bon, Saliba Anouka combien de fois dans le Congo? Anouka c'est un système. C'est un système des Juifs. Anouka, c'était la guerre de Grèce et avec Israël. Lui, il n'a pas séché dans une lampe. Ils ont gagné le combat. Et les Juifs, ils ont pris ça comme étant un signe de victoire. On a appelé cette nuit Anouka. Et la sorcellerie juive, qu'on appelle Kabbale juive, c'est une philosophie des juifs. Donc, Sali en haut, commission en journée à lumière. Jésus est la lumière. C'est Jésus la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il n'y a pas une autre lumière à part Jésus. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Les Juifs sont aveuglés. Parce que Dieu l'a dit, il a aveuglé les Juifs pour ouvrir les yeux et la révélation aux nations. C'est nous. Si nous, on va copier ces gens comment? C'est après l'enlèvement que Dieu va envoyer Moïse et Élie pour aller prêcher. Et c'est là où Israël va se convertir.
Pendant ce temps, nous, on est dans l'enlèvement. Mais pour le moment, c'est nous qui avons la révélation. Quelle est la place d'Anouka? Parce qu'il est la lumière, Jésus. Jésus est la lumière. Où est la place d'Anouka? Au lieu de parler d'Anouka, parle de Jésus. Parce que c'est lui la lumière. Le chemin. La vérité. Pourquoi il ne cite plus le nom de Jésus-Christ? Il commence à citer Monde Pandemonium. Il commence à citer Abracatabra. Il commence à citer des noms qui n'existent pas. Et c'est comme ça que le pays est parti. Tous les jeunes prophètes à Lubumbashi, des grands prophètes à Kinshasa, on les appelle des grands pour la forme. Forme. Mais dans le fond spirituel, ils ne sont pas là. C'est là pourquoi les gens sont énervés quand je parle, que dans le fond, vous êtes désaventurés. Les églises vont sécher, les églises vont sécher. Les églises vont sécher. Moloro 87, ah, venez. Vous allez voir dimanche. Des appels, comment appeler? Vous allez voir. Je vous donne 6 mois seulement. Seigneur, tout là où il y a la magie, séchez. Là où il y a l'imitation, il y a des pasteurs imitateurs qui ne connaissent pas la parole. Ils copient seulement des grands hommes de Dieu en mettant des kippas et des choses dans leur corps, en mettant l'habillement, tout ça. Moi, j'ai des manteaux, non, je porte ça. Je ne porte pas ça tout le temps. Je porte quand il y a une cérémonie. Pour me différencier des autres, je peux porter. Mais c'est pas le port de talit n'est pas obligatoire. On n'est plus dans l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. On a Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous avons Dieu qui est vivant. Nous n'avons pas besoin d'Anouka. On a besoin de la lumière de Jésus. Il est la lumière. Servez avec un évangile simple. Vous allez écouter dimanche un témoignage d'un garçon que j'ai prophétisé au Maroc. Il a eu le visa. Il a épousé une femme américaine. Il était prévu aller en France. Quand je lui ai dit que ta place est en Amérique, j'ai eu combien de gères aujourd'hui qui m'ont appelé, papa. On ne veut pas le fétiche. Ton Dieu peut nous bénir. Si tu es fort, comme on voit là, prie pour nous. Dieu va changer des choses. Vous allez voir les gens que vous voyez aujourd'hui là. Ils vont finir un par un. Il y a un pasteur qui m'a invité chez lui à l'église. J'arrive à Triomphal avec Clifton, avec le prophète Percy. Le fer est sorti dans la route. Libéré, comment? Fer. Comment? Donc là où toi tu as un grand fer jusqu'à ce niveau, comment? Clifton a gagné Tokoufi. Donc quand on est arrivé là, il a essayé de baloter la route. On était en range, mais heureusement que la range revient à la stabilité. On a tourné, on s'est stabilisé. On est sorti de la voiture. Les gens ont crié. Il m'a invité encore quelque part, avec Titi au volant. On arrive quelque part, il y a un véhicule qui sort devant nous. Transmac là, des gros véhicules là. On est parti, il nous a suffi. Titi était tellement professionnel qu'il est sorti de la ligne. J'ai vu encore cet homme de Dieu. J'ai dit, ne verrai plus cet homme de Dieu. Il est dans les ténèbres. Et depuis ce jour-là, je ne le vois plus. Vous savez, le Congo est rempli de 90% de féticheurs. Vous êtes des pasteurs. Les 10%, ce sont des pasteurs vrais. C'est pourquoi tu vois des problèmes congolais ne se finissent pas. Parce que les gens qui pouvaient délivrer le Congo, ils sont en train de maudire le Congo. Comme Balaam, qui était prophète vrai. Mais on l'a recruté par Balak à cause de l'argent. Le cheval a parlé à cause de l'amour de l'argent de Balaam. Et il arrive, il a eu l'argent, il a donné le secret à Balak, il dit envoyer des jeunes filles.
là où les Israélites dorment. Ils vont tomber avec eux. Et les filles là doivent les amener vers les idoles, le dieu de Belphégor. Si vous lisez ça dans le livre de Nombres 25, 1 à 4, tu vois ça. Et c'est là où qu'on a achevé tous les juifs. La force de l'église, c'est la sainteté. La force de l'église, c'est la parole. La force de l'église, c'est l'honnêteté. Mais quand on vous introduit des choses, vous êtes déjà sué. Vous commencez à croire à un autre Dieu. Vous croyez en Jésus, mais le Jésus qu'on vous présente, il n'est pas le vrai Jésus. Avec des pratiques mensongères. Et quand vous adhérez, toi aussi tu as adhéré. Et tu deviens sataniste indirect. Vous qui écoutez des prophètes dans les rues, vous ne dormez pas, vous suivez des prophètes partout dans la télé. Ils ont que l'église. Même ceux qui ont des églises. Je les mets tellement mal à l'aise qu'ils sont en train de faire des complots. Parce que Dieu m'a dit. Quand on a dans la mission à pétage, pourquoi que c'est pour profitabilité? Nous avons fait un peu de temps. Na benga ina ndako na ngati. Bangunza babimisi biloko na nzo tabatu. Babitu so pie biso 3000 to l'action technique. Ah. Batangenga na ba pasteur ba osala. Miracle moko e se répéter raté na na koyo sala miracle siko mais je peux pas répéter ça tout le temps non. Ça dit chaque époque a sa chose de faire. To sala on abandonne noté. Mais siko to sala ngwa tiens. Et s'il toque vers autre chose. Fais attention. Vous voulez les miracles. Vous voulez trop de miracles. Vous allez en enfer. Dieu béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi les gens là, ils savent que de l'essai à Nzambete, comment Dieu me bénit? Moudan Nzambete a kené potoné. Moudan Nzambete a zosoma mitourané. Moudan Nzambete a za à l'aise. Comment? Moudan Nzambete a za nambong. Comment? Ma bénédiction n'est pas l'église. Ma bénédiction, c'est mon ministère. Est-ce que je joue mon rôle ou pas? Je fais mon travail. Si toi, tu ne viens pas, tant pis pour toi. Moi, je joue mon travail. À mon idée, ma pièce, c'est Otoka. Pardon? Nicolas Zomona, c'est ça ma bénédiction. Et s'il m'avait promis quelque chose, il va me le donner. C'est pas à cause de toi. Il me bénit à cause de mon travail. Et il regarde mon cœur. Ce travail est sincère. Si je devrais attendre vos offrandes, je mettrais des carburants comment? Je coûte trop cher comme je suis là. Je vais nourrir mes enfants comment? Là, Pierre a ouvert 50 dollars par jour. Ça, là, fois 30 ans, combien? Jonathan, vous aurez combien par jour? Hein? Paul Nagolia, combien? Ça là, on fait 30. Sans compter carburant. Sans compter ma besoin. Sans compter etc. Ça fera combien? Donc, je peux dépenser 10 000 dollars par mois. Bon, à ce moment-là, si on a osé la arche, on a encore à Liban, on a encore à Mario. Donc, c'est pour dire que ne compte pas sur quelqu'un. Maudit sur l'homme qui s'appuie à l'homme. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Si tu n'as que l'Éternel comme secours, tu verras. J'ai vu une jeune fille là que Andete qui est en train d'utiliser, parce que Andete qui est en train d'utiliser. Aïe, la TVO, la zone, mon délice, si vous semblez la bonne délice, Allah te fait foulard avant de venir. Vous semblez la bonne délice, la ligne est trop haut. On a un psy au ligne.
prophète ou bien balingaka ministère. Si on a dit trop, mais nous avons dit que nous avons dit que prophétie avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Il faut que même la personne, quand tu prophétises, il sent que ce que tu dis là est vrai. Un prophète, quand il dit, Ata Osiliki, il a dit que l'okoyo est vrai, Pegotika là, vrai. C'est pourquoi, basé pelé la carte à TV, tu ne peux pas imaginer. La bête a dit non, dimanche passé, l'attitude. Bah faux Moussa n'a pas attitude extérieure. Alléluia Dieu. Et puis bah c'est victime Isaka. Bah au moins net bah trop bah attaquer bah trop bah ça là bah comment net bah victime. Dans l'année bah on y a golanga. Dans l'année bah on finit golanga. Dans l'année bah on salanga. Bon biso bah finit biso pendant combien d'années. Alors écoute-moi, lève tes mains. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Que je ne tombe pas dans le piège satanique. Allez, prie au nom de Jésus. Jésus, nous sommes dans un temps très compliqué. Le monde des ténèbres a pris les relèves. Asmodée est là. Belvegor est là. Où est-ce qu'on va s'en sortir? Mais tu vas me protéger. Protège mes enfants. Protège mes sœurs. Protège mes enfants. Celui que je croiserai. S'il n'est pas de toi, montre-moi le signe. Là où je prie, si ça ne marche pas, montre-moi mon Dieu. C'est toi le vrai Dieu. Je cherche que toi. Je veux que toi. Je veux que ton élévation. Je veux que ta bénédiction. Je veux ton mariage. Au nom de... Pourquoi la mort est devenue comme quelque chose de comme ça au Congo? Les gens meurent jeunes, pourquoi? Et les gens pleurent. Oh Seigneur, pourquoi ça? Ppourquoi ça? Comment ça? Comment ça? Il y a trop de sacrifices au Congo. Vous allez finir. Et vous-même, vous allez partir. Si on a l'oubli, on a l'oubli. Yo, au lobby au catholique, par exemple, les apportes à faire. Aux îles, aux places, les îles, ce n'est pas catholique. Et c'est ça normal. Est-ce que Moutoua n'a pas d'avoir normal? Au catholique, les apportes à en faire. Vous voyez? Je ne te fréquenterai pas non plus. Na oya pété, na opé sope motété, na préféré na za na coin na ngana nzambe. Songo boma, boma. Mais moi je vous dis ceci. Le temps est arrivé où le Congo doit être éclairci. Et les gens qui sont cachés, Dieu va les relever. Il y a une jeune génération qui est dans la foule. Dieu va les élever, vous allez voir. Des vrais prophètes vont s'élever dans ce pays. De vrais pasteurs vont s'élever dans ce pays. Ils vont faire des signes et des prodiges. Mais qu'avec Jésus-Christ. Et si vous allez voir ça. Dans peu de temps, d'ici 2 ans, vous allez voir ça. Une génération sortira. Et cette génération-là, Dieu m'a dit, je conduirai. Parce qu'ils me reconnaîtront. Et ces gens-là vont bouger le Congo. Et ils vont importer les dieux du Congo ailleurs. Ce n'est pas une génération de pervers, une génération de gens qui sont en train de faire des bêtises. Ils volent les gens, ils tuent les gens. Pourquoi? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Si quelqu'un ne peut pas épargner son petit frère, il va t'épargner toi. Et que c'est la pitié de toi. Il n'a pas pitié de toi. Soyez bénis. J'enlève la malédiction qui se dépose, que le diable a déposé dans votre corps. En écoutant, en participant, en donnant des offrandes aux sorciers. Dieu doit enlever cette malédiction avant la mort qui t'atteigne au nom de Jésus. À partir du 25 de ce mois, jusqu'à
en 2026, Dieu va purifier l'église congolaise. Il va purifier la politique congolaise. Il va purifier les musiciens congolais, profanes comme chrétiens. Il va purifier des commerçants. Vous allez voir ça. Des choses vont se passer dans ces pays. Vous n'avez rien vu. Vous verrez de vos propres yeux. Et tous les gens qui ont participé au carnage spirituel et leurs fidèles et eux-mêmes, vous verrez des morts que vous n'avez jamais vus. Alors commencez à vous purifier, à vous sanctifier. Dieu m'a dit ça. Et je ne blague pas. En France, en Europe, partout il y a l'église congolaise ou l'église internationale. Purifiez-vous, sanctifiez-vous. À partir du 25 de ce mois, jusqu'en 2006. Le 25 de ce mois 2006, les premiers signaux catastrophiques apparaîtront. Et vous allez voir, il va purifier l'église. Il va purifier la politique. Il va purifier tout. Les musiciens profanes. Vous allez voir comment Dieu va renverser les choses. Et ceux qui vont être dans la crainte, dans le vrai, Dieu va les élever. Tous ceux qui ont fait des carnages dans l'église, beaucoup mourront, beaucoup changeront, beaucoup, vous allez voir ce que Dieu va faire. J'ai dit 2 ans. Et Dieu s'élèvera contre toutes les nations qui s'élèvera contre le Congo. Vers les 3e, 4e année, avant qu'on arrive à la fin du mandat de Félix, Dieu va envoyer des grands miracles dans ce pays. Au travers d'un ministre qui sera un premier ministre à cette époque. Et c'est lui qui va mener les choses. Et vous allez voir des grands miracles. Et les gens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qui règne avec des fétiches. C'est un pays de promesses. C'est un pays de promesses. Et je vous dis, l'Éternel ne ment pas. En 2030, quelque chose se passera ici au Congo qui restera historique. Et vous comprendrez que je suis un vrai prophète. Dieu va mener quelque chose dans ce pays. Et vous serez étonnés. Et Dieu va renverser les choses. Le monde entier aura le regard sur le Congo. Et nous serons le cible de la bénédiction de Dieu. Et Dieu va élever une génération des hommes puissants et des hommes forts. Jusqu'en 2030, Dieu est en train de préparer le Congo. Il est en train de préparer des changements spirituels, matériels et politiques. Il est en train de changer les choses. Et des gens seront des millionnaires, vous verrez des millionnaires congolais. Et vous verrez la bénédiction de l'Éternel dans ce pays. Ça va commencer. Et à partir du 25 de cette année, de ce mois, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous comprendrez que Dieu existe. Et Dieu restera Dieu. Tout ce qui est caché sortira. À l'église. Partout. Montrez-nous ton argent. Montrez-nous ta grandeur. Montrez-nous tes avions. Montrez-nous tout ce que tu as. Mais sachez que Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Prends ton cœur, remets à Jésus. Le vrai Jésus simple. Qui est plus puissant que Paul aujourd'hui? Parmi nous, les pasteurs congolais ici là. Qui a fait ce que Paul a fait? Paul a cassé la prison. Et le chef de la prison lui pose la question. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras sauvé, toi et ta famille. S'il était le pasteur d'aujourd'hui, Bangabaye, c'est bon, voici, il faut l'enseignement comment détruire les prisons. 7 jours après délivrance. Heureusement, il a eu Paul. L'évangile est simple. L'évangile est simple. Ne compliquez pas l'évangile. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul n'a pas compliqué l'évangile. Paul n'a pas demandé l'offrande à ce temps-là. Paul n'a rien demandé. Il a dit, sois, crois seulement. Et il dit, je crois. Il a prêché.
Il l'a baptisé. Et Paul est sorti avec toute la prison convertie. Combien de jours pour construire, des années pour construire ces prisons-là? Laissez les traces de Dieu dans ta maison. Laisse les traces dans ta vie. Nous sommes sur Moloko 87A. Mercredi, vendredi, 17h. Dimanche, 9h, prend place. Nous sommes en train de chercher le vrai Dieu. Allez, tu élèves la main là où tu es, je clôture. Le Dieu de Paul, tu es là. Le Dieu d'Abednego, tu es là. Le Dieu de Jean est là. Le Dieu de Timothée est là. Le Dieu des actes des apôtres, tu es là. Comment le monde du ténèbre peut être élevé dans notre nation? Et nous dominons le vrai serviteur. Élève-nous, bénis-nous. Donnez-nous la force spirituelle. Donnez-nous les moyens pour faire des campagnes. Donnez-nous les moyens pour que nous puissions faire des choses. Seigneur, au nom de Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu as accompagné les apôtres. Tu as accompagné une nouvelle génération. Tu m'as dit, une génération sortira. Et cette génération vivra comment? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bénis-nous, toi bénis-nous. On ne veut pas des hommes, toi bénis-nous. Utilisez qui tu vas utiliser, bénis-nous. Proprement, sans fétiche et sans magie. Seigneur, la magie est en train de nous amener dans les choses. Seigneur, libérez ce pays. Libérez ce pays tout entier. Libérez nos églises, Seigneur. Donne-nous le vrai Saint-Esprit qui descend encore. Donnez-nous de vrais prophètes, de vrais pasteurs. Là où il y a la vie. La vie d'un chrétien, c'est de 120 ans. Nos enfants meurent avant. Des pasteurs meurent avant. Des prophètes meurent avant. Nos femmes meurent avant. Mais c'est là quoi? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'on sort du mal. Seigneur, bénis-nous. Le Père des gens qui croient encore en toi. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Bénis-les spirituellement, matériellement, financièrement. Pour qu'on n'aille pas dans leurs histoires. Qu'est-ce que les gens diront? Amen. À haute voix. Amen. Prends l'offrande, viens sceller. Viens sceller, j'ai terminé. Celui qui a des oreilles entendent. Viens sceller. Au nom de Jésus.